La première Alice était vraiment très courageuse. Épée en mal arriva au pays merveilleux. Tout sur son chemin se retrouva dévasté. Elle était suivie par un sentier de pétales rouges. La pauvre Alice perdue au fin fond des bois. Comme une criminelle, elle fut emprisonnée. Enchaînée solitaire à sa prison de ronces. Malgré le chemin tracé, on la croisa plus jamais. Le deuxième Alice était délicat et gentil. Il arriva au pays en chantant une mélodie. Celui-ci fredonna quelques notes merveilleuses. Un monde complètement fou surgit alors un récit. Mais ce cher Alice, ce bouton de rose, dévoré par la folie, il se tua. Une fleur apparut aussi rouge que son sang. Il se fana aimé, adulé par tout le monde. La troisième Alice était une vraie jeune fille. Elle alla au pays merveilleux en séjournant qu'un manche. Le beau monde se retrouva séduit par sa beauté. Dès lors elle conçut un monde infiniment étrange. Cette belle et tendre Alice, reine du royaume, fut entièrement possédée par la détraquée. La jeune fille fut condamnée au règne éternel jusqu'à ce que son corps ne puisse plus le supporter. Deux enfants suivirent le chemin de pétales rouges. Ceux-ci purent s'embleuter sous le rosier. Une invitation du château leur arriva. L'œuf de cœur était à l'intérieur. La quatrième Alice se trouvait être deux jumeaux. Ceux-ci curieux, ils s'en virent au pays merveilleux. Maintes et maintes portes furent empruntées par eux deux. Ceux-ci arrivèrent au château plutôt rapidement. La grande sœur entêtait le petit frère attentionné. Alice au pays des merveilles était à proximité. Le rêve des deux jumeaux devint rêve permanent. Ils erraient à tout jamais au pays des merveilles.